Waouh ! C'est un dessin qui raconte... Repose ça tout de suite. L'histoire de Zachée. Regardez comme il s'est bien appliqué en coloriant. C'est très bien. Le lundi aussi, je fais un truc gâteau. Juste le temps de sortir du sport, d'avaler un sandwich et je vais à Evan, l'école du verbe éternel et nouveau. Du coup, je suis à la bourre. À Evan, on prie, on échange sur les bases de la foi. Comment l'incarnation du verbe et la singularité de la mère de Dieu guérissent-elles l'homme de la tentation prométhéenne ? Avant d'être des cours ou quoi que ce soit, Evan, c'est vraiment l'expérience de ma vie que je viens confronter à cette parole de Dieu qui s'est révélée au cours de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience spirituelle, en fait. On pourrait dire, ah, bah, je suis super bien formée, je vais être un super bon gâteau, je reçois un super enseignement, Evan. Et en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut de plus en plus se dire, bah non, en fait, je sais rien, j'ai tout à apprendre.